La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. La vidéoscopie de cette semaine, bah écoutez, je ne pouvais y échapper. J'ai fait il y a un an, Macron a-t-il menti à BFM TV et combien de fois? J'ai fait il y a deux mois les influenceurs à l'Élysée et auprès des porte-paroles du gouvernement, du Premier ministre, etc. Je suis obligé de faire le syncrétisme des deux. Je suis obligé de faire les influenceurs devant Emmanuel Macron. Vous ne pouvez avoir échappé à l'info. On va vidéoscoper tout ça ensemble à l'instant. Et juste avant cela, bah oui, la coïncidence, le hasard, j'ai regardé la date de ma vidéoscopie Macron ment-il sur BFM TV. C'était il y a exactement un an et c'était pendant l'anniversaire du site 2020. Et pendant l'anniversaire du site 2020, je vous offrais la remise groupée habituelle de Nono, plus 14%, puisque le site avait 14 ans, cette année ça sera évidemment Nono, plus 15% pour mes 15 ans d'activité sur Internet. Les coupons figurent à l'écran, les dates c'est du 24 au 31 mai, et c'est parti. Cette phrase est folle. Oui, alors je ne crois pas un instant qu'il ait eu son masque pendant toute l'attente qui a précédé le tournage. Moi, je sens vraiment, on devine presque au mouvement des mains qu'il était dans, il attendait dans la pièce à côté. Il a fait semblant, hein, désormais, c'est la jurisprudence Biden, toujours se présenter face caméra, discours officiel ou pas, avec un masque désormais, mais on voit qu'il l'a juste posé comme ça. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de un peu congestionner pour avoir l'air bien dans mon t-shirt. J'arrive. Donc là, il y a le petit gros qui doit être apparemment McFly qui fait des pompes pour gonfler son t-shirt. Oui, alors ça, c'est ce qui est très drôle, c'est que là, on voit, oui, je triche, c'est la première fois, j'ai la fin de la vidéoscopie avant vous, entre guillemets, j'ai consulté la bande avant vous, puisque tout simplement, j'ai dû faire des coupes, 36 minutes à vidéoscoper, c'était trop long pour faire ces coupes, eh bien, j'ai déjà les contenus, donc parfois, je ferai des petits anachronismes comme ça, donc je vous dis que les deux sont en train de se préparer, et ce qui est drôle, c'est que quand on se soumet à une épreuve de stress intense et en plus filmée, on a tendance à avouer ses propres faiblesses, hein, à avouer les angles sous lesquels la confiance en soi est un peu défaillante. Et alors pour le grand dadé au fond là, Carlito, qui est en fait, qui s'appelle Carlier, parce que c'est le fils de l'écrivain, parolier et animateur télé Guy Carlier. Lui, apparemment, il a un organisme comme ça qui transpire et donc il avoue dans quelques instants qu'il se met du coton. C'est pour faire le clin d'œil à sa communauté. Je ne vous cache rien puisque je vous montre mes petits secrets, mes petites hontes. Et le petit gros, il a de l'œstrogène en fait. On va le voir quand il est debout. Il a des pecs parce qu'il fait de la muscu, mais il a la pointe du pec qui pointe vers le bas. Alors je taille rarement sur le physique, mais ça c'est quand même très très laid. Et quand on a la pointe vers le bas, c'est qu'en fait on a un peu de gras au bout des pecs. On a un peu d'estrogène au bout des pecs, et ça fait un petit sein de femme. Et donc ces gens-là, en général, ont un complexe bien normal, et ont toujours besoin de gonfler le buste. Alors là, comme Carlito, comme le fils de Carlier, il joue la carte de la transparence organisée, en mode, voilà, je vous avoue, chère communauté à qui je ne cache rien, que il faut que je me sente très gonflé au niveau des épaules pour avoir de la présence. Ah, rien ne va dans ce début. Regardez, désolé. On arrive, monsieur le président. Vous faites pas ça, vous? Des mouchoirs sur mes aisselles. Oh là là, il y a un service de luxe, les amis. C'est de l'eau présidentielle, attention. Je vais vous laisser aucune chance. Mais on va pas vous lâcher. Alors, il y a pas de. Hein. Donc oui là, toujours, il y a une désimprovisation improvisée au sens où les assistants, la maquilleuse, les serveurs, etc., font partie de la scène, alors que normalement dans une allocution traditionnelle conformiste, ils sont évidemment tous masqués, absents, ils sont en coulisses. Et là, on veut, on symbolise l'anticonformisme en montrant ce qui d'habitude est caché. Voilà. Alors, ne connaissant pas la communauté des deux ozos, là, je me passerai d'interpréter la batterie au fond, la guitare. Il y a un certain nombre de symboles à l'écran qui, j'imagine, sont des gages, des appels du pied, des clins d'œil à leur communauté. Ne les connaissant pas, ne les ayant jamais suivis, j'ignore ce que ça représente pour eux, je me passerai d'interpréter ça. Je remarque, par contre, que ils sont habillés comme des gamins alors qu'ils ne le sont pas du tout.
tout. Hein. Alors, on passera sur l'inscription en arabe sur le bras droit. Hein. Ça, je pense également que c'était un pari ou un challenge. Hein. C'est un premier pas. Hein. Préparez-vous. Hein. Ça y est, c'est au cœur de la matrice maintenant. Ils sont là, parmi nous. Donc, oui, alors, ce sont deux adultes de 36 ans. Hein. J'ai cherché leur âge. Ils ont tous les deux 36 ans. Le grand là, en fait un peu plus. Mais habillés comme des ados. C'est ce qu'on appelle désormais des adolescents. Et on verra que tout ce clip de propagande est une promotion non seulement du président de la République. Cela marchera-t-il ? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Rappelez-vous qu'un certain Jospin, alors Premier ministre en fonction, s'était rendu à la veille des présidentielles de 2001 chez Skyrock pour faire le jeûne et parler basket et parler rap. Et ben le rap ne l'a pas empêché de se faire rap-papiner, hein, ratatiner 24 heures après ou 48 heures après, dès le premier tour. Donc là, on a deux adolescents voûtés avec des postures de merde, des t-shirts, des treillis et des baskets, voire un bonnet pour celui qui n'assume pas sa calvitie. Imaginez-vous que je me filme en bonnet quotidiennement. Vous auriez raison de vous foutre de ma gueule. Avec un t-shirt en arabe et une posture de post-adolescent qui a fumé du chichon, ce qu'il avoue en plus à la fin de la vidéo. Il a cette espèce de nuque en avant, là, horrible, de soumis, de battu, de loc. Il y a une promotion de l'adolescence qui est absolument infernal, en fait, dans ce contenu. Il n'y a pas d'hiérarchie, là. Bonjour, comment vas-tu ? Comment tu vas ? Et vous-même ? Tous les tests ont été faits, évidemment, nous sommes négatifs au Covid. Ça a été vu au préalable avec nos délicieuses équipes. Exactement. Est-ce que c'est de l'eau du robinet ? Alors là, oui, donc évidemment, on a bien compris que l'objectif de cette ambition de communication, c'était de s'adresser à un public qui nous échappe. On se souvient que les 18-24 ans, particulièrement les 25-34, mais aussi les 18-24, ont une grosse dilection pour le Rassemblement National. Eh ben oui, ça vous surprend, mais regardez les chiffres de vote, c'est comme ça. C'est RN pour 25-34 et c'est RN plus LFI pour 18-24. Donc on a envie de les ramener au bercail, d'accord, des bagages oubliés de la Wehrmacht du Parti Socialiste, comme dit le copain Pierre-Yves, au bercail de la République en marche, en mouvement, vers le progrès, vers l'Europe, vers le mieux. Et donc, pour cela, on se livre à une opération de communication qui a comme prix l'abaissement de la fonction présidentielle, c'est-à-dire de mettre tout le monde sur un continuum linéaire où un clown des médias et un président de la République sont à égalité. Mais ce n'est que la suite logique, finalement, des ministres chez Hanouna. C'est un peu la même chose, comme si le nivellement n'avait pas été assez évident, mais il faut voir aussi à quel quotient intellectuel ces influenceurs s'adressent. Eh bien, pour le bas de leur échelle de QI, hein, c'est-à-dire pour les 80-90 de QI, ou peut-être il y a peut-être encore moins chez eux, on rappelle, par ce qu'on appelle une punchline, que le président est au niveau. Il n'y a pas de hiérarchie là. Non. Donc ça, c'est au cas où vous n'auriez pas compris déjà toute la mécanique, on vous la rappelle. Et en parlant de niveau, on va voir qu'il y a une erreur de communication présidentielle. À mon avis, ces experts, s'il en a autour de lui, rien n'est moins sûr, le lui diront, c'est qu'ils n'ont pas négocié les placements sur le tapis. On va voir comment ça va se manifester. Je parle pas des placements Volvic, je parle des placements sur le tapis. Après la vidéo, on se contacte. Vous l'avez attendu, l'a obtenu. Vous voyez, je fais un arrêt sur image à 1 minute 32. Il n'y a pas de scotch sur les tapis, alors que la plupart des interventions orchestrées, j'ai travaillé en télé, je le sais, tous les placements étaient notés au sol, d'accord? Et là, comme c'est pas noté au sol, les deux animateurs, sans affecter donc le respect habituel pour les institutions, se placent en avant de lui et lui en deçà. Le problème, c'est qu'il est déjà, il est petit dans l'absolu par rapport au fils de Carlier. Il doit faire, j'imagine, à peu près la même taille, peut-être un centimètre ou deux de moins que le petit gros. Et en plus, se retrouvant en deçà au niveau de l'horizontalité, on voit que le président est 50 centimètres à 1 mètre en retrait. Et donc, par effet de perspective, tout simplement, eh bien, il paraît encore plus petit. Donc, c'est bien d'un côté, ça prouve qu'il n'a pas le complexe de Napoléon, le complexe de Sarko, le complexe du petit qui, lui, aurait pensé à ces détails et les aurait orchestrés et les aurait fait signer, gravés dans le marbre avant toute participation. Mais lui, du coup, il a pas eu cette pudeur ou cette précaution. Et là, il paraît extrêmement frêle et chétif à côté de deux monstres. Alors qu'il y en a un, c'est un petit gros avec des seins de femme qui pointent vers le bas. Hein, regardez, on n'a qu'à zoomer, on voit. Et l'autre, c'est le fils de Guy Carlier. Je veux dire, il est gaulé comme un coton-tige avec un élastique autour de la taille, quoi. Que moi, vous nous lanciez un défi. C'est vrai. Avec un fond
Le fond, le mur de fond, pour nous, était un mur en travaux, mais on a appris que c'était peut-être une œuvre d'art. Vous confirmez? Je confirme, c'était mon bureau. C'est pas... D'accord. Non, bravo, merci. D'accord, c'est une œuvre d'art, oui, bien sûr. Ah, il y a un tableau derrière, je pensais ça, il y a un tableau avec... Exactement. Ouais. Ce défi, nous l'avons relevé, nous avons fait une chanson. Oui, alors là, petit tacle au Culture Kampf, au réseau de l'art contemporain. On va avouer que celui-ci, il fait plaisir. Hein, sincèrement, là, ne boudons pas notre plaisir. On aurait tous eu envie d'envoyer ça au président, mais on sait en réalité à qui ça s'adresse. Hein. Ça ne fait que transiter par Macron, mais ça s'adresse en fait à sa compagne, à sa maîtresse, hein, à sa femme, à sa mère, on ne sait pas trop symboliquement ce qu'elle est. Donc c'est un tacle bien envoyé, et celui-ci, j'ai envie de vous dire merci les gars. Si tu pouvais faire, c'était mes amandes. D'ailleurs, dans la chanson, à un moment, on en parle, j'ai ramené quand même mes amandes. Oui. Que je n'ai pas pu encore régler pour des raisons, mais c'est juste d'organisation. C'est comme ça. Si jamais... Il m'a mérité. Je les ai regardés, mais pour le coup, il y en a vraiment. Ah oui. Si jamais... Non, il n'y a pas de passe droit. Okay. Ah, il n'y a pas de passe droit. Alexandre Benalla, ça te dit rien. Le mec se déguise en fonctionnaire de police, tabasse des gens, voyage avec des passeports diplomatiques auxquels il n'a pas droit, détient des secrets d'État, il est toujours dans la nature, il a fait une micro-garde à vue, il a remis les sénateurs à sa place avec une morgue infinie. Le fait que ça ne concerne pas aujourd'hui votre mission d'information qui a les pouvoirs d'une commission d'enquête, je ne répondrai pas à cette question, monsieur le sénateur. Mais il n'y a pas de passe-droit, bien sûr, bien sûr. C'était bien tenté. Ok, on va attendre. Tu l'auras fait, hein. Non, mais j'aurais essayé. Elles sont là, si jamais vous changez d'avis, elles sont là, en tout cas, voilà. Et donc ce défi est rempli, nous voici pour un concours d'anecdotes. C'est le combienième? Le 8e? Le 9e? C'est pas notre premier, et c'est bien pour ça qu'on va gagner. On va vous rappeler les règles maintenant. Oui, les règles. Alors c'est marrant parce que plus on voit le grand dadé en gros plan, plus on remarque l'évidence. L'évidence, c'est que on nous parle d'un entretien fait par des jeunes pour les jeunes. Alors qu'il soit pour les jeunes, ça reste à voir. Il faudrait connaître les statistiques d'audience de cette chaîne YouTube en particulier. Mais le monsieur que je vois en arrêt sur image à 2 minutes 24, excusez-moi, il n'est pas jeune du tout. On nous refait l'arnaque de Skyrock, où c'était une radio de jeunes. Non, il y a des jeunes qui écoutent, mais D-Fool et sa bande de Skyrock, c'est des quadras, quoi. Ils sont plus vieux que moi. Enfin, je les écoutais, j'étais au lycée, sur Fun Radio, Love in Fun, Doc et D-Fool, puis sur Skyrock. Ton corps change, ne t'inquiète pas, etc. Là, on nous refait le coup, c'est-à-dire, on déguise des adultes de 36 ans, car ils ont 36 ans, en enfants, et ils singent tout un nombre de jeux, de roulades, d'accolades, de coups de poing, etc. Mais il y a presque un côté parodique, c'est-à-dire que c'est presque aussi ridicule que l'auto-parodie du « Lavez-vous les mains » d'Ursula von der Leyen, la grande prêtresse de l'UE, là, quand elle nous apprenait les yeux fixes vers l'objectif, on le montrera en post-production, à nous laver les mains, ou que les acteurs stipendiés par le système des dictatures communistes, quoi. C'est-à-dire que là, rendez-vous compte qu'on est en train de vous dire que l'homme en arrêt sur image à 2 minutes 24 est un jeune. Ce mec a des cernes, ce mec a des rides. C'est pas grave, moi aussi j'ai des rides, moi aussi j'ai des cernes, j'ai 43 ans. D'ailleurs, attendez, regardez, selon ce qu'on fait de sa vie, regardez-moi à 43 ans, regardez-lui lui à 36. Hein, vous voyez ? C'est-à-dire, à part qu'on partage le même coiffeur, je pense qu'il y a une différence de teint, de port, d'énergie, de port à la fois P-O-R-E-S et P-O-R-T. Si vous ne le voyez pas, bon, je suis désolé, mais la mascarade, en fait, de l'âge, je ne la vois pas soulignée dans les commentaires. Hein. On en souligne d'autres, mais celle-ci, elle est énorme, quoi. La promotion de l'adolescence par des adultes qui jouent les enfants est énorme. 8e, le 9e, c'est pas notre premier, et c'est bien pour ça qu'on va gagner. On va vous rappeler les règles, maintenant. Oui, les règles du concours d'anecdotes, face à face, une anecdote chacun. Alors là, vous êtes seul. C'est pas un problème. Donc il y a deux anecdotes longues pour vous, deux anecdotes courtes, une longue, une courte chacun. On choisit l'ordre, etc. Ça c'est libre. D'abord les longues, ensuite les courtes. Oui. Hein, pourquoi? Parce que c'est quand même les boss. Oui, bon, ça c'était préparé à l'avance, c'est bien senti, ça fait partie de la règle du jeu, d'horizontaliser la verticalité. Bon, alors après, je pense que Macron n'en avait pas besoin, parce qu'au niveau de l'horizontalisation, déjà, il a mis les pas dans les pas de ses pairs, dans les ornières d'Hollande et de Sarko, puis il y a eu l'affaire Benalla, et l'affaire de « Je traverse la rue », et l'affaire de « Ceux qui ne sont rien ». Je pense que déjà, le distanciel, c'est bon pour la fac, mais c'est pas bon pour l'aura présidentielle. Ça fait bien longtemps qu'elle a disparu. Il n'est plus distant, le président. On vous propose donc, lors de cette prise de parole, d'avoir affiché sur le bureau un portrait de nous. Un petit cadre avec vous deux. Un petit cadre, alors... Les visages, on peut voir ensemble, oui, mais surtout avec ce service de sécurité composé de 13 personnes qui me regardent, mais une grimace,
Ça peut l'être. Ça peut être. Quelque chose comme ça. Ou alors, beau gosse, peu importe. On vous laisse décider ça, mais qu'est-ce que vous en dites? J'ai peur, maman. Donc, adulte qui joue l'adolescent, et maintenant qui joue l'enfant. C'est un adulte de 36 ans, avec un bonnet et l'air bonnet, comme dirait Laurent Gérard, qui joint ses mains au ciel en disant « J'ai peur, maman ». Si vous gagnez, très bien, je ferai. Il me regarde de la même manière qu'il dit « Nous sommes en guerre ». Sauf qu'il me dit « Si vous gagnez, je le ferai, avec vos deux gueules ». Ok, bah, c'est un bonheur pour moi d'entendre ça, c'est incroyable. Oui, alors c'est marrant parce que là, tout à coup, on a vraiment le ballon de baudruche qui fait pchit. Hein. C'est-à-dire que là, il y a l'aveu, en plus, l'aveu dans le rire, la déconnade et la désinvolture, que le « Nous sommes en guerre » était une farce. C'est-à-dire que là, je pense qu'il n'y a pas de scène. On peut faire des procès en insincérité à Macron lorsqu'il est devant BFM, mais là, paradoxalement, jouant la connivence, il vient d'avouer que son « Nous sommes en guerre » était le premier acte d'une imposture mondialiste et d'une grande et d'une immense expérience de psychologie sociale visant à servir les peuples. Le fait qu'il n'ait pas repris ses interlocuteurs sur le « Nous sommes en guerre » est un aveu d'insincérité pire que le passage au grill devant n'importe quelle juridiction ou n'importe quel tribunal médiatique. S'il y avait eu une once de sincérité dans le « Nous sommes en guerre », il aurait immédiatement repris les gens en disant « Oui, écoutez, bon, on est là, on déconne, on rigole, simplement, vous ne pouvez pas laisser entendre aux spectateurs que ça n'était pas vrai à l'époque. » Non, ça, c'est incroyable. Ok, et donc si on perd, on perdra. Allez, si c'est moi qui gagne, le 14 juillet, vous montez dans un des avions de la patrouille de France pour survoler. C'est une bonne idée. C'est malheureusement une bonne idée. On prend des G, c'est un peu haut. C'est terrible, c'est pas bon. Mais il faut qu'on gagne, on fait un petit clic. Alors là, on est obligé de gagner. T'es là avec moi, allez-y. Alors là, c'est marrant parce qu'il se livre à un jeu de scène quasiment homosexuel, en fait. Allez-y, avec le président, il est juste d'aller. Attends, regarde. Fais une petite salle, t'as mangé un truc. Il se caresse au bord de la bouche, ils prennent des voix infantilisantes. T'as mangé un truc? Non. Enfantine. Pardon, monsieur le président. Je déteste ça. Et là, ce plan est extrêmement méchant. Je vous demande de regarder l'arrêt sur image à 4 minutes 17. On verra si c'est payant pour lui. Encore une fois, rien n'est dit. Mais en tout cas, il paye très très cher cette opération de communication puisque symboliquement, se passe quelque chose qui est quasiment au niveau de l'offense faite à la fameuse van der Leyen par les Turcs quand ils l'ont envoyé à la cuisine en omettant de lui présenter une chaise. À 4 minutes 17, on voit donc les deux plus gros influenceurs français, enfin dont un le plus grand, on va dire par la taille, là le bonnet avec son bonnet, tourner le dos au président de la République à quelques mètres de distance. Ça ne se fait déjà pas à un quidam, encore moins sous la cinquième à l'émanation du pouvoir en place, même si on sait ce qu'il en est, il a été consenti à d'autres instances. Et en plus, Macron étant plus petit, il regarde vers le haut, ce plan est horrible. Là, il est vraiment sous la tyrannie des GAFA et des techs dont il se voulait être la start-up et le chantre. Là, on voit vraiment que il a laissé la clé de sa com à des gens qui ne pense pas comme ses conseillers, les journalistes qu'il avait à sa botte. Le plan à 4-17 m'inspire beaucoup de méfiance quant aux résultats objectifs de cette campagne. Il a d'autres atouts dans sa manche. Il a le pass jeune, qui n'est pas du tout une nouveauté. Tous les progressistes le font lors de chaque élection présidentielle. Renzi l'a fait en Italie, d'autres l'ont fait en Hollande, etc. D'offrir quelques centaines d'euros aux jeunes pour aller s'acheter des abonnements Netflix pour leur soi-disant culture. C'est peut-être le plan qui nous libérera de l'oppression LREM, malgré eux. Je déteste ça. Oui, je déteste. Oui, mais on va gagner. C'est bien, ça me donne encore plus envie de gagner. C'est une bonne idée. Et la réponse sera « on acceptons ». C'est parfait. C'est parti. Oui, donc là, c'est « on acceptons », c'est rigolo, c'est une mise en abîme de la syntaxe déficiente. C'est « nous savons que nous n'avons pas les capacités d'éloquence, d'expression, de réflexion et de syntaxe de nos parents », car Guy Carlier est un animateur médiocre, mais c'est un très bon parolier. Et donc, quand on a la plume d'un Guy Carlier et qu'on entend son enfant syntaxiquement aussi pauvre et sortir des « on acceptons », le « on acceptons » est censé placer l'ensemble de la prestation sous le signe des mots inventés, de la grammaire, machin. Mais c'est en fait l'aveu au second degré d'une limite
d'une simplification de l'esprit, de la langue, d'une adolescence. Et ça n'abuse en fait que les simples d'esprit, hein. Pas nous, j'espère, les chatons. A few moments later. Vous commencez à tourner à quelle heure? On a commencé à 17h. Et ensuite, la traversée à quelle heure? 13h. 13-14h, je crois. Ah ouais? 15h peut-être. 16h peut-être. 17h. 18h. 19h. Là, c'est la chanson des 19h. Oh non, mais ça. La chanson des heures. Rire à la chanson. Monsieur le Président. Cette séquence de quelques secondes avec rire de hyène à l'appui n'est pas forcément celle qui sera reprise le plus de cette prestation, mais par contre elle me semble ajouter à celle des grimaces. On mettra en post-production la séquence des grimaces et la séquence des roulades. Une grimace, ça peut être quelque chose comme ça. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire un peu. Elles sont belles, tes roulades. Vous faites pas mal des roulades, vous. Me semble une opportunité manquée pour le président, je m'explique. Il est évident que ce rire... C'est la chanson des heures. ...est un rire de malaise. C'est-à-dire, les deux se livrent à une petite chanson qui est évidemment une private joke, blague récurrente qu'ils doivent avoir entre eux. Le président, j'imagine, ignore ce dont il s'agit, voit que les autres se marrent et se dit « bon, je vais rire, ça fera passer le temps et ça me mettra du bon côté ». En réalité, ça, les galipettes, les chamailleries et surtout les grimaces au président de la République qui resteront comme une pierre blanche ou une pierre d'achoppement dans la séquence médiapolitique de ce début de 21e siècle, c'était le moment de gagner des points auprès des deux communautés en faisant la chose suivante. En essayant de rire maladroitement, ce qui, pour les observateurs fins, est cringeant, c'est malaisant ce qu'il a fait. Il ne gagne aucun point, au mieux, il passe inaperçu, au pire, on voit quelqu'un, hors de son contexte, singer le jeune. Bon, il aurait utilisé ces trois occasions, c'est-à-dire les gros fous rires de hyène. Utiliser le pouvoir. Non, pardon, excusez-moi. Les grimaces et les galipettes pour dire... Fermez vos gueules, d'accord? Écoutez, monsieur Carlito et Bidule, vous n'allez pas aimer, je vais redevenir président de la République pendant quelques secondes et vous dire que oui, j'ai accepté de jouer le jeu des anecdotes, oui, j'ai accepté de vous recevoir dans un cadre informel, oui, j'ai accepté qu'il n'y ait pas le protocole, le dress code, etc. Mais il y a des limites qu'en aucun cas on ne peut franchir. La grimace en fait partie, la galipette en fait partie, donc... Je suis désolé, on va reprendre le jeu dans un instant, mais là, juste sur ça, je suis obligé de vous rappeler la fonction que je représente. Et il aurait fait ça, non seulement les deux se seraient écrasés, évidemment, comme des merdes, en plus, il aurait regagné un minimum d'autorité et de crédit auprès de la frange, on va dire, la plus conservatrice des téléspectateurs, ou des viewers, comme on dit désormais, et en plus... Il aurait même potentiellement gagné un peu de respect chez la frange la plus, jeune et destroy et anticonformiste. Car rappelez-vous qu'en psychologie, on a d'estime que pour ceux qui nous résistent. Hein. C'est la fameuse phrase de De Gaulle, je n'estime que ceux qui me résistent, malheur à eux, je ne les supporte pas. Selon vous, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Je pense qu'elle est fausse. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous annoncer... qu'elle est totalement vraie. Que tout est vrai. Alors là, on a entendu quelque chose qui, à ma connaissance, est une pierre d'achoppement, une première. On a entendu dans une prestation qui n'est pas en caméra cachée. On a déjà entendu Macron jurer en caméra pseudo cachée. Là, on n'est pas en caméra cachée, on est en caméra visible, voire ultra visible. On entend un président de la République en exercice proférer des grossièretés. Qu'en gardera l'histoire? Quel impact aura cette allocution sur l'électorat qu'il vise, en l'occurrence les 18-24 et les 24-35 et les 25-34, je l'ignore. En tout cas, j'ai noté trois, on va dire, mots de la langue courante qu'un ministre, ou a fortiori qu'un président, ne prononce jamais. J'ai noté « putain, cool » et « merde ». Encore une fois, bon, on pouvait difficilement aller plus bas que Benalla, hein, ça rime. Là, le pari est fait. Après, par contre, faudra pas se plaindre. A few moments later. Décembre 2018, on est le 19 décembre. Ma secrétaire me dit, Valérie, qui travaille avec moi depuis des années, elle me dit, la Maison-Blanche cherche à vous appeler. Le président Trump veut vous joindre. Ce qui arrive régulièrement quand
Pour se donner des news, pour parler de Formula One sur Netflix. Et elle me dit très urgent, la Situation Room, c'est comme ça que ça s'appelle côté américain, veut vous joindre. Je dis ok, très bien. Ça fait quand même beaucoup d'anglais pour une allocution du président de la République française. Formula One, t'avais le droit de dire Formule 1, hein, grand dadé. Et Situation Room, tu as le droit de dire également la pièce privée, la pièce pour les urgences. Je pense que dans une société qui se mondialise, il faut être polyglotte. Et il y a effectivement des langues qui fournissent des mots parfois plus concis, plus percutants, plus pratiques. Je parle parfois avec des mots d'anglais, il m'arrive d'employer de l'italien, parfois d'autres langues plus rarement. Mais là, néanmoins, on sent juste le doux diktat de l'Empire. Hein. Là, c'est pas une question de polyglotte, c'est juste que le dadé de droite et le dadé de gauche ont en fait consommé la même pop culture, les mêmes séries américaines. Ça s'est d'ailleurs entendu dans une intervention beaucoup plus récente du président de la République sur un sujet, celui-ci beaucoup plus sérieux, qui était le sujet de la 5e génération de réseaux téléphoniques. Il avait en gros balayé les préoccupations des climatos préoccupés et des gens qui sont préoccupés par les impacts sanitaires et la consommation énergétique de la 5G en disant « j'empêcherai la France de devenir des mormons ou des amish ». Mais on voit bien que Mormon et Amish ne correspondent en rien à une de nos vocations, à une de nos communautés, à une de nos pentes ou à un de nos devenirs. C'est quand tu as ingurgité à satiété de la culture américaine que tu as, que la première, on va dire, communauté conservatrice technologiquement qui te vient à l'esprit, ce sont les Amish. En France, on a d'autres préoccupations qui sont la diffusion d'un Internet déjà convenable dans les zones rurales. On a tous été en vacances dans le Périgord, dans la Creuse, en Ardèche, et on s'est tous retrouvés dans une magnifique maison avec une connexion Internet à 20 kilobits seconde. Déjà, permettons la décentralisation et le désengorgement de Paris en permettant à des gens de travailler depuis les campagnes via une connexion Internet décente, avant de nous préoccuper du sort des Amish ou des Mormons. Mais encore une fois, c'est le diktat de l'Empire et c'est la manifestation de l'absorption, de l'indigestion de culture américaine chez ces gens. Pour les coups, là, je les mets au même niveau, pour le coup. Je dis ok, très bien, je me rends disponible, très vite, je réorganise les choses, je vais dans mon bureau parce que c'est un téléphone qui est sécurisé. On passe l'appel, et le président Trump, c'est toujours très rapide, la discussion avec lui. Il appelait facilement, mais c'était très très rapide. Et il dit, salut Emmanuel, comment vas-tu, etc. En anglais dans le texte. En anglais dans le texte. Hi Emmanuel, how are you? Fine, and you? I'm Donald Trump. I'm a weird freak. Il dit, voilà, c'est Donald, etc. Et alors là, on sent que il a eu un petit regard vers le bas où il s'est dit, est-ce que je la pousse, est-ce que je ne la pousse pas? Et le dadé Carlier, là, a montré patte blanche et il a presque signé sa prochaine prestation publique de communication en taclant, j'allais dire en assassinant, mais c'est lui prêter beaucoup d'honneur et beaucoup de pouvoir qu'il n'a pas, en taclant, évidemment, le mandat Trump, au titre que lui, enfant des médias et du culturo-mondain français et adolescent abonné, eh bien, était à même de juger des impacts économiques, politiques, internationaux de la politique de M. Trump. Très bien, bah écoute, tu t'es ridiculisé auprès de nous et des gens structurés qui pensent et qui voient, mais tu as probablement validé le chèque de ta prochaine voiture par cette petite incise. Hein, chacun ses choix. Carlito, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Cette anecdote, et je vais aller vite, Monsieur le Président, je pense qu'elle est fausse. Eh bien, cette anecdote, elle est fausse. Oh, oui, bon. Voilà, ben ça c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, je le mets dans la catégorie des roulades, des insultes, de grimaces, etc. Enfin, des grimaces que moi je perçois comme des insultes. Là je pense que la frontière est franchie, donc là c'est ridicule. Il aurait recadré tel que moi je l'aurais fait, comme dirait Asselineau, quand je serai aux affaires, si un jour j'occupe l'Elysée, eh bien je ferai des trucs avec des influenceurs que je recadrerai quand ils franchiront la ligne rouge. Et pour moi, la ligne rouge a été franchie bien avant, mais il les aura recadrés avant, cette petite scène de bagarre simulée n'aurait jamais eu lieu. Après, on a compris l'intérêt de cette anecdote vraie ou fausse, peu importe, elle restera dans les esprits des 10, 15, 20 millions de spectateurs de la prestation, et elle leur rappellera que pendant un temps, le président de la France et des États-Unis était à égalité, entre guillemets, et se souhaitait leurs vœux, se manifester pour des événements personnels, alors qu'en réalité, on rappelle le souverain
souverain mépris qu'ont tous les présidents américains et a fortiori Donald Trump pour nos présidents depuis un certain temps, sachant que nous ne sommes qu'une escale dans leur voyage en Europe. Ils se rendent immédiatement en Allemagne et on rappellera la grossièreté avec laquelle Trump a épousté les pellicules sur la veste de Macron, lui a comme ça secoué la main dans tous les sens. Il l'a molesté presque autant que le président du CRIF qui lui levait le bras, là, c'est dire. A few moments later. Oui, t'as devenu un groupe de métal français. Alors là, très fort. J'ai plusieurs émotions. Et on va y aller après, mais genre, vous vous rendez compte là ? Ils sont là, ce qui veut dire qu'on a failli gagner, mais non. Est-ce que ça vous a plu de tourner cette vidéo avec nous ? Oui. Non, c'était... D'abord, merci. Vous aviez déjà... Je passe sur la conclusion du grand Dadé, qui manifestement n'est pas préparé. Bon, c'est un travers que j'ai également. J'ai tendance à être, je l'explique dans mon premier livre, je sais très bien dire bonjour, mais j'aime pas dire au revoir. Donc, je fais généralement des intros pas trop mal, des conclusions un peu plus faibles. Donc, je suis presque en empathie avec eux. Par contre, moi, j'ai pas le président en face. Donc, quand tu te prépares pendant, j'imagine, des semaines ou des mois à une intervention de la sorte, à une conclusion un peu meilleure que ça. Mais en même temps, ce sont des branleurs. Enfin, c'est une attitude de branleur, hein, je veux dire. Il a une posture de branleur, une tenue de branleur, donc ça ne m'étonne qu'à moitié. Et réponse de Macron, est-ce que ça vous a plu ? Oui, non. Bon, bah je suis désolé, hein, là c'est un peu comme en musique, les blanches qui l'emportent sur des noirs. Bon, bah là je suis désolé, les deux non l'emportent sur le oui, hein, écoutez bien. Mais non ! Est-ce que ça vous a plu de tourner cette vidéo avec nous ? Oui. Non, c'était... D'abord, merci. Oui, vous avez... non. Donc en fait non, ça lui a pas plu. Ça commence à être fatigant. On voit d'ailleurs qu'il est mal à l'aise sur sa chaise en plastique. J'ai déjà fait l'année dernière un super truc pour l'hôpital. Là pour les gestes barrières. Voilà. Après je pense que vous les avez fait venir parce que c'était sans doute l'un des trucs les plus fous à faire. Pas du tout. Ça s'est organisé. Vous imaginez bien qu'un groupe va pas rentrer dans l'Élysée à l'insu du maître des lieux. Tout ça est ridicule. Et je souhaitais simplement vous montrer à la fin, à mon avis, ce qui est le plus raté de la prestation, mais c'était lié à la tension grandissante. On voit que Macron était de moins en moins à l'aise tout au long de la prestation, alors que eux l'étaient de plus en plus. Les courbes, si vous voulez, d'indolence et de confiance en soi se sont inversées. Macron est arrivé très à l'aise. Et finalement, par incapacité à aller ou par timidité, je dirais presque, par pusillanimité, il a hésité à les recadrer à plusieurs reprises et à la fin, il s'est, je pense, trouvé cringeant. Désolé pour l'anglicisme, mais là, pour le coup, c'est un des exemples où je trouve que en anglais, c'est plus performant. Et eux, au contraire, sont arrivés comme ça, mal à l'aise, en simulant l'assurance qu'ils n'avaient pas du tout. Et par contre, sont très à l'aise à la fin. Et je voulais vous montrer que ils ont tenté de lui extorquer un « abonnez-vous », ce que j'aurais également tenté. Et lui, étant fatigué et mal à l'aise, il n'a pas vraiment joué le jeu. Donc, ils ont coupé un morceau de phrase pour lui faire dire « Viens souscrivez un abonnement ». C'est totalement raté. Et pour moi, il vaut le « au revoir » de Giscard. Au revoir. Je crois que c'est Pierre-Yves qui nous avait dit en début de mandat de Macron que c'était le nouveau Giscard. Ben là, ça se confirme. Bref, que vous ayez apprécié ou pas l'intervention de Macron, remerciez la vidéo d'un pouce parce que j'ai fait le travail comme d'habitude. Pour plus de vidéoscopie, ben, il faut s'abonner à la chaîne, activer les notifications et je vous pointe du doigt la playlist vidéoscopie que vous avez maintenant le loisir de partager, sur laquelle vous pouvez surfer. Enfin, choisissez votre vidéoscopie préférée là en cliquant au bout de mon doigt.